Je n'ai pas besoin de le lire. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. C'est le perfidificateur. Je ne veux pas déranger. En général, bien sûr, mais à quoi je pensais? Oh, j'ai oublié. Thank you.
n'oubliez pas, la machine a besoin de 12 composants. Alors on oublie tout. N'oubliez pas. Nom d'une éprouvette. Je crois que ce n'est pas ça. Regardez le moniteur. 8 composants fonctionnels ont été installés. Et 4 composants sont placés dans les bons compartiments. Le mignonificateur est presque en super tip-top forme. Courage, mes joyeux chercheurs. Monsieur le fol savant. C'est une broche. En forme. De bowling, savamment arrangé. Pas un mot, ne dites rien.
finalement? C'est un turbo. Je vais remettre ces choses là où elles étaient avant. Voilà! Je crois que vous n'allez bientôt pas tarder à faire une découverte scientifique. Pour Marc, le génie, c'est environ 10% de transpiration et 90% de désolation. Marc, tu connais l'expression populaire, toucher le fond. Vous me respecterez tous comme Marc Blanc, le sauveur de Mignonia.
n'est pas ça. Regardez le moniteur. 11 composants fonctionnels ont été installés. Et 9 composants sont placés dans les bons compartiments. Le mignonificateur est presque en super tip-top forme. Courage, mes joyeux chercheurs. Monsieur le fol savant. Ah bon. Continuez, moi aussi. Il y a des jours où je ne suis pas en forme. Pas un mot, ne dites rien. Super top secret sont de... Il a vraiment le... Comment ça va? Allons-y. Je crois que vous n'allez bientôt pas tarder à faire une découverte scientifique extraordinaire. Marc, tu connais l'expression populaire, toucher le fond. Le sauveur. Nom d'une éprouvette. Jour 11. Et 11 composants sont placés dans les bons. Le mignonificateur est courage. C'est le perfidificateur.
allez bientôt pas tarder à faire une découverte scientifique extraordinaire. C'est sûrement une autre invention. J'ai réussi! Non! Non! Tant mort! Voyons où nous en étions la dernière fois! On appelle ça des timbres. Le mignonificateur est terminé? Oui. 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 Fantastique. Bon, les gars, vous êtes prêts à y aller? Oui, chef. Nous n'avons jamais été aussi... Allez, au fait. Enfin, voyons. Allez, mignonifier les choses. Bien sûr. À quoi peut servir le mignonificateur, d'après vous? Flux, dis-moi... Ça faisait partie du marché? Je ne sais pas trop. Tu crois qu'on a le choix? Je crois que la meilleure solution serait de laisser notre commandant ici présent le piloter. Pas le choix, alors. Ce n'est pas grave. Ce sera peut-être une de ces expériences qui comptent dans la vie d'un toon. Je préfère de loin les expériences qui ne comptent pas du tout dans la mort d'un toon. Messieurs, l'heure est venue de lancer le mignonificateur. Bric-à-brac. Oui. Vous avez pensé à faire installer une autre sortie plus grande dans ce hangar? Hein? Vous y avez pensé? Ah, mes fidèles Cerbères. Entrez. Je vous en prie. Permettez-moi juste une simple question. Allez-y, votre malfaisance. Vous n'avez qu'à... Où sont les fugitifs que je vous ai ordonné d'arrêter? C'est une bonne question. Silence, saut. Nous l'aurons, sire, et nous vous l'amènerons. C'est comme si c'était fait. Nous retournerons chaque pierre. Toutes les pierres. Votre malveillance, par pitié, donnez-nous une chance de prouver que nous pouvons vous satisfaire, que nous en sommes encore dignes. Bon, allez. Mais n'échouez pas cette fois. N'oubliez pas. Réanimer vos misérables corps ne fut pas facile, mais les vider de leur vigueur le serait. Oui, sire. Bonjour. Félicitations. Votre mission fut un étonnant, formidable, mignonifiant succès. J'ai reçu des milliers de messages de tous les coins de Mignonia. Elles parlent de la merveilleuse transformation du royaume. Vous vous rendez compte? Elle marche vraiment.
Elle marche vraiment. Oh, j'ai maintenant le pouvoir de transformer toutes les choses. Tous les gens. Quelle joie, quelle joie! Oui, c'est vrai. Assurément, j'ai été heureux de pouvoir aider Mignonia, Hilarius. Mais je voudrais vraiment repartir dans mon monde. Maintenant. Et j'ai la très ferme intention de vous y renvoyer dès que vous aurez fini votre part du contrat. Fini? Mais, enfin, mais j'ai fini. La machine est là et elle marche. Mignonia est comme avant. C'est vrai. C'est vrai. Mais si je ne me trompe pas, j'ai dit que vous deviez mignonifier le monde. Dans le sens, bien sûr, du monde entier. Pas seulement Mignonia. Le monde entier? Le monde entier? Mais tout de même pas Xanidou! Et aussi Perfidia, comme convenu. Une petite minute, une petite minute. J'ai accepté ça? Mais oui. Allons, je vous en prie. Nous partageons le même beau rêve. C'est notre plus glorieuse occasion de répandre la joie partout dans le monde. Mais votre majesté, si la perfidification est mauvaise pour les mignoniens, pensez à ce que la mignonification fera à tous les autres. Ah oui! Mon visage ne supporte qu'environ 4 minutes de sourire et après ça fait mal. Mais vous racontez des bêtises. Où serait le mal dans la mignonification? Désolé, je refuse. Je trouve tout ça injuste. Je crois qu'il vaudrait mieux nous en tenir là. Vous ne semblez pas comprendre. Je ne vous demande pas de le faire. Je vous l'ordonne, comme à mes loyaux sujets. Non, une petite minute. Avant de parler, réfléchissez. Défiez-moi et vous resterez bloqués ici, pour toujours. Allez-vous véritablement tenter cette chance? Oui. Oui! Bien sûr, je savais que vous seriez d'accord. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui? Que voulez-vous dire par... Oui! C'est clair. Oui. Ne comptez pas sur mon aide pour vous aider dans votre plan ridicule. Oui. Bien sûr que non. Je crois qu'il faudra que je trouve un autre moyen. Bien. C'est comme vous voudrez. Je vais mignonifier le monde. Et vous resterez ici. Pour toujours. Faux! Vous ne ferez rien au monde. Seul Flux et moi savons piloter la machine. Et nous... Et ça, partons d'ici. Stop! Vous ne partirez nulle part. C'est un ordre. Stop! Oh, vous! Exact! C'est moi, la fabuleuse Dorothée, la préférée de tous les lapins. Une lapine avec un super plan. Alors ça, c'est jamais bon. La mignonification du monde n'est que la phase... En ce moment, Bric-à-Brac travaille pour développer l'ultime machine créative. Celle qui me donnera le pouvoir de créer toute la joie et le rire que je désire. En bref, je serai un dieu. Ne vous inquiétez pas pour l'autre roi Hilarius. Il est enfermé quelque part. Il apprend à être vraiment heureux. Tout comme moi. Mimi aussi aura la place qui lui revient. Pied. On se fait la mode. Garde, garde. Saisissez ces ennemis de Mignonia. Je n'ai pas le roi. C'est l'infâme Dorothée déguisée en Hilarius. Moi? Une lapine déguisée sur le trône? Je crois que vous pouvez trouver mieux. Il a les clés de la machine, prenez-les! C'est l'heure de les mignonifier. Hop! Il ne s'est rien passé! Flux, c'est OK! Ça a foiré! Bonté divine, vieux! Tu as absolument raison! Mais
Le fugitif et sa machine sont probablement très loin du château. Je vous rappelle qu'Hilarius et les autres sont déjà mignonifiés. Oui, qui a eu l'idée de venir ici, au fait? Pas moi. Pas moi. Ben, c'est certainement pas moi. Oui, c'est... Chut! On n'a pas le temps de discuter. Nous devons localiser leur cachette. En route. Réveille-toi. C'est notre dernière chance de sortir d'ici. Molo, vieux, je suis parfaitement heureux ici. Merci, mais tu peux y aller. Celui-là nécessite plus de puissance. Garde! C'est moi le chef, et moi je dis qu'il va pas là. Oh, bonjour. Dites, on se connaît, non? C'est lui. C'est lui. Mon plan a marché. Hourra! Tu as causé assez de troubles, fugitif. Nous t'emmenons tout droit chez Nefarius. Il n'a pas pu aller loin. Alertez les autres. Trouvez-le. Vous savez piloter cette machine, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Alors allez-y. Vous, Mignonne. Oh, je sais pas, n'importe quoi. Bien sûr, Doucine. J'aurais dû le savoir, Nefarius. Silence! C'est compte, Nefarius, pour vous, petit homme. Maître de tout perfidia, fléau de Mignonia et bientôt suprême empereur du monde. Je vous en prie, montrez un peu de respect. Quel est cet endroit? Mais mon donjon, bien sûr. Je crois que nos accommodations vous plaisent. Je me donne toujours du mal pour fournir à mes hôtes le strict minimum de confort qu'ils méritent. Car j'ai une réputation à maintenir, vous comprenez. Que voulez-vous de moi? Quoi? De vous? Mais rien. Vous en avez déjà assez fait, humain. Mais dites-moi, est-ce que vous avez vraiment cru, sale vermine, sac de pu, pouvoir envahir mon univers, faire échouer mes plans de totale domination et partir ensuite dans le soleil couchant? Réfléchissez. Non, vraiment, j'ai déjà eu tous mes vaccins. Joli, n'est-ce pas? Elle contient un petit cocktail de ma propre invention. Je suppose, selon les termes, qu'on peut le décrire comme une encre mutagène. J'épargnerai à votre cerveau les détails. Il suffit de savoir que, quand le sérum se sera répandu dans vos veines, il va transformer cet humain que nous connaissons et haïssons en un tout semblable à tous les autres. Impuissant, vulnérable et emprisonné dans mon monde pour toujours. Vous n'allez pas me remplir le corps avec ce truc? Bravo. Cette fois, c'est vous qui avez raison. Je ne vais pas. C'est déjà fait. Désolé, mais je trouve tout cela plutôt amusant. Oui, je sais. Je crois que je vous ai piqué au vif. Je m'échapperai, Nefarius. Vous verrez. Oh, mon cher monsieur Blanc,
Je n'y compterai pas. Même si vous parvenez à vous faufiler hors de cette cellule renforcée, le château grouille dans tous les coins de féroces gardes. Et vous pourriez mourir si vous tombez sur eux. Quant aux possibilités d'évasion du château, je vous garantis que vous serez noyé dans les eaux avant d'avoir eu le temps de respirer. Donc, à moins que je n'oublie un léger détail, par exemple, des ailes rétractables qui pourraient vous pousser dans le dos, je vous suggère de vous détendre, de vous relaxer, d'être bien sage et de laisser le mutagène agir. Pendant que je détruis le mignonificateur. Dites-moi juste où il est, et je vous laisse à votre déplaisante transformation. Vous dire où se trouve la machine. Vous êtes très amusant. Ah oui? Alors, vous le direz. À moi. Monsieur Blanc, cette machine, où est-elle? Quand la machine a quitté le château du roi, elle est partie vers l'ouest. Je pense qu'elle doit être loin de Mignonnière maintenant et arrive directement vers nous. Et qui donc pilote cette infernale invention? Mon ami Flux Radieux. Oh, quelle aubaine! Je peux détruire la machine et ce maudit Zanien d'une pierre deux coups. Quel départ de bon augure pour notre collaboration. Bienvenue dans l'équipe. Merci, maître, je vous servirai, sauf si je m'échappe. Quelle impudence! Miss Fortune, vite, regardez dans le futur. Il le faut! Je vois. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois l'humain rester votre captif pour toujours. Oui! À moins... À moins que quoi? Il restera prisonnier, sauf si un chevalier se lève, un oiseau mort s'élève en flamme, et si moi-même j'obéis à ses ordres. Impossible! Ces choses absurdes ne peuvent pas se produire. Bien sûr, Seigneur. Oui, bien sûr. Néanmoins, je vais prendre d'autres précautions. Mais pas d'erreur. Je vais personnellement m'occuper du cas de votre ami. Et quant à vous, l'endormi, votre vie sera une longue suite d'atrocités. Et vous serez mon esclave. Bonne nuit. Bien, 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 bien. Bon. Je m'appelle Narine. Je serai votre gardien sans pitié pour la durée de votre séjour qui... Voyons voir... Éternuité. Éternuité. Dites, c'est plus long ou plus court que perpétuité? Plus long? C'est bien ce que je pensais. Voyons, est-ce qu'il y a marqué d'autres ici? Risque d'évasion. Mais c'est idiot. Vous le savez. Bien sûr que ce serait risqué pour vous de tenter de vous échapper. Je ne sais pas qui a écrit ça. En fait, le premier risque que vous devriez prendre, c'est de prendre ceci pour sortir. Vous voyez? Parce que... Bon. Alors, je vous souhaite une bonne...
Éternuité. Ouais. Bonne éternuité, prisonnier. Ces barreaux d'acier ont l'air très solides. C'est toujours le grand luxe pour les prisonniers de Nefarius. Mes affaires. C'est gentil à lui de m'avoir laissé mon sac.